naître dans chaque cœur et qu'elle porte de fruits et qu'elle donne une vie déterminée et un ministère déterminé dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci pour cette heure et ce moment. Merci parce que ta parole est toujours nouvelle et nous demandons, comme tu nous as préservé la vérité, que cette vérité fasse du bien dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions et que tout le monde dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons examiner un passage important de l'Écriture. La Bible dit aux Romains, Romains 15, 4, « Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. » C'est-à-dire que nous, ministres, nous, membres de l'Église, et que tous ceux qui professent appartenir au Seigneur, tout ce qui a été écrit en Genèse jusqu'à Malachie, Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Donc, comme vous venez, vous devez apprendre la parole de Dieu, vous devez préparer votre cœur, vous devez vider votre cœur des notions passées, des idées passées, des opinions passées, et que tu dises, Seigneur, parle qu'à ton serviteur, ton fils, ta fille, tes membres, tes ministres apprennent. Ils sont prêts à écouter. Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Genèse 49, verset 5. Voici Jacob qui raconte l'histoire de sa vie, son observation et ce qu'il a découvert au sujet de Siméon, l'un de ses enfants, et Lévi. Genèse 49, nous lisons le verset 5. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Le verset 6 dit, « Que mon âme, le vieil homme, étendait à la fin de sa vie et se rappelait ce qu'avaient fait Siméon et Lévi avec le caractère et l'instrument et l'activité de cruauté. Il dit que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Et le verset 7 dit, « Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. » Nous avons le choix, soit être amer ou béni, ou bien de démontrer l'amertume de la colère ou le bonheur de l'affection. Nous devons dire, si notre vie doit être une vie de méchanceté ou une vie de pardon, il y a un choix à faire. Ce soir, le message est l'amertume ou le bonheur. Faites votre choix. Nous allons voir 2 Samuel 2. 2 Samuel 2, le verset 26. Abner appela Joab et dit, l'épée dévorera-t-elle toujours?
Ne sais-tu pas qu'il y aura de l'amertume à la fin? Quel que soit ce que nous faisons en un moment, nous ne devons pas penser aux conséquences du moment. Il faut penser aussi au futur, nos actions, nos réactions. Lorsque quelque chose se produit, une fille, un fils, un membre de la famille, quelque chose qui ne devait pas se faire, et nous agissons, nous réagissons, soit avec amertume, ou parce que ne pensons pas aux conséquences de nos actes dans le futur, ou bien nous répondons avec grâce, ou bien nous répondons avec pardon, ou bien nous répondons avec la bénédiction. Nous avons un choix à faire. Donc, Abner disait à Joab, pense-y. Veux-tu l'amertume à la fin, ou bien le bonheur ou la bénédiction à la fin? Jusqu'à quand tarderas-tu à dire au peuple de ne plus poursuivre ses frères? Comme nous voyons l'histoire de ce jour, je veux que vous voyez la dernière partie. La façon dont nous agissons, est-ce avec amertume ou avec bénédiction? Il dit, jusqu'à quand, ne le sais-tu pas, que ceci va aboutir à l'amertume, non seulement en ce temps-ci, non seulement à la fin, mais au-delà de la fin, c'est-à-dire sur terre. Jusqu'à quand vas-tu dire, jusqu'à quand vas-tu dire à ceux qui sont sous ta tutelle, sous ton autorité, ceux qui sont sous ton influence, que assez, c'est assez. Est-ce que nous allons nous tuer? Ce qui s'est passé, c'est déjà passé. Faites un choix. Et être amer ou être béni. L'amertume ou le bonheur. Faites votre choix. Nous allons voir trois points ce jour. Numéro 1, l'amertume de la colère et de la vengeance. Deuxième point. La bénédiction de l'attitude de non-vengeance. Oui, l'attitude de non-vengeance. Les choses vont se passer et les choses se passent toujours. Est-ce que vous vengez? Est-ce que vous dites, mais je vais lui payer ça? Même si cela touche son sang, sa vie. Je vais l'attaquer. Comme nous voyons l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, il y a des choses qui se produisent dans notre vie. Il dit, heureux les doux, les humbles, et c'est expliqué dans le verset qui suit ce que nous devons faire et celui que nous devons être et comment nous devons agir. Et nous devons être proactifs à penser du futur et voir ce que cela deviendra dans le futur. L'amertume ou le bonheur ou la bénédiction. Deuxième point, c'est la bénédiction de l'attitude de non-vengeance. Le troisième point, c'est les vrais croyants avec les armes de la justice. Les armes que nous portons, l'instrument que nous portons, les outils que nous portons, est-ce du Fils unique, du Fils aimé de Dieu? Christ va-t-il agir de cette manière? Les croyants dans l'Église primitive vont-ils agir de cette manière? Le père de la foi Abraham va-t-il agir de cette manière? Si nous détenons cette position, si nous empruntons cette direction, un homme, une femme, qui que soit la personne, un ministre,
un pasteur, un prédicateur, un coordinateur, un pasteur de groupe, un père, une mère, si nous agissons de cette manière, ceci sera-t-il l'expression parfaite de la vie d'un croyant? Nous voyons, troisième point, les vrais croyants avec les armes de la justice. Allons au numéro 1, premier point, c'est l'amertume de la colère et de la vengeance. Rappelez-vous l'histoire de Dina. Dina est allée voir les filles du pays. Je crois qu'il y a aussi l'autre aspect. Elle est allée d'être vue par les filles du pays. Vous voyez, toute chose a deux côtés. Une pièce a deux côtés. La pièce de monnaie, de voir les filles du pays et d'être vue par les filles du pays. Lorsque on vagabonde, on erre sans but dans une nouvelle communauté, et allons-nous voir les filles du pays ou d'être vu par les filles du pays? Évidemment, Hamor, Sichem l'ont vu. Non seulement de te voir, ils vont aussi, non seulement de les voir, ils vont aussi te voir. Et tu vas, sans penser à l'action, au caractère des gens qui te verront et ceux qui verront de toi, et ceux qui vont t'exiger, mais tu n'as pas bien pensé. Et c'est dit que le fils de Hamor l'a vu et l'a enlevé. Au fait, ce n'est pas le viol. Oui, elle s'était soumise. Et lorsque la chose était faite, oui, elle n'est pas retournée à la maison, elle est restée là-bas. Parce que c'est lorsque Siméon et Lévi ont détruit la famille là, qu'ils ont retiré Dina de là. Elle était restée là-bas. Vous voyez, le cœur ainsi conçu, le cœur non sanctifié, le cœur dépravé, qui vagabonde, qui erre, il y a quelque chose, il y a un désir dans le cœur de Dina elle-même qui allait à cette direction. Et puis, ces frères de Dina n'ont même pas condamné son acte et ils ne l'ont même pas réprimandé. Ce sont des frères indulgents et le père n'a rien dit. Le père ne lui a rien dit. Que tu sais ce que tu as amené sur notre famille? Il n'y a rien de cette manière. Ce sont des parents indulgents. C'est un père indulgent, une mère indulgente. Il y a des voisins indulgents. Ta fille a tendance à errer, à vagabonder. Et tu voudrais dire, Dina, toi là, faut pas faire ça. Et les voisins vont venir et vont dire, ah, laisse-la. Non, elle est une petite fille, non. Elle est une petite fille, laisse-la. Ils ne vont pas nous laisser corriger nos enfants. Cela se passe aussi à l'église. Quelqu'un qui va à la mauvaise direction, quelqu'un qui fait quelque chose de mauvais, et le père dans la maison. Alors, qui ne voudrait pas être un père indulgent si tu dis, Dina, cela n'est pas bon. Tous les pères, les égaux de Dina vont se lever. Mais pourquoi il parle à Dina comme ça? Que ça, c'est notre sœur. Même les adultes vont dire, mais pourquoi? Pourquoi le père dans la maison corrige l'enfant de cette manière? Cependant, lorsque la chose mauvaise s'était produite, ils vont blâmer le père. Mais c'est vous qui ne m'avez pas permis de corriger l'enfant lorsque l'enfant était encore dans son âge de formation. Maintenant, vous me condamnez. Maintenant, vous me châtiez. Maintenant, vous me critiquez.
et vous dites, regardez son fils, regardez sa fille. C'est vous qui êtes en faute. Je devais dire que ma fille, mon fils, tu ne peux pas aller à cette direction. Mais tout le monde va s'adresser, va se dresser contre le Père. Pourquoi tu parles, pourquoi tu agis de cette manière? Ne sais-tu pas que les enfants aussi ont leur temps d'être à l'aise et en liberté? Cela se passe dans notre église ici. Donc, nous devons voir le futur et penser au futur lorsque les parents corrigent leurs enfants. Maintenant, Siméon et Lévi, il n'y a rien d'autre qui pouvait faire que de démontrer leur colère et leur vengeance. Numéro 1, c'est l'amertume de la colère et de la vengeance. Nous allons voir trois sous-thèmes ici. Un, nous allons voir ici, le danger et la souillure des errants sans but, de la séduction et la damnation des colériques. 3. La dénonciation et la destinée d'une obstination assertive. Numéro 1, c'est le danger et la souillure des errants sans but. Voyons, Genèse 34, verset 1. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Il n'y a aucun rapport qu'elle avait averti son papa Jacob et sa maman Léa que je voudrais aller voir les filles du pays pour qu'il la corrige. Oui, tu es trop jeune. Ces gens-là sont des païens, des inconvertis. Alors, ces gens-là sont des pécheurs. Alors, ces gens-là n'ont pas les mêmes normes que nous avons. C'est dangereux pour toi, à ton âge, d'aller vers ces gens tout seul. Si tu vas aller, va avec une autre sœur. Va avec l'un de tes frères. Deux valent mieux qu'un. Pas de provision. Et verset 2. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Elle n'a pas crié au secours. Si un homme trouve une servante au champ et la force et elle crie et qu'il n'y ait personne pour la délivrer, si ce péché, cet acte est commis, le châtiment sera sur l'homme parce que, oui, la jeune dame a crié, il n'y a personne pour la secourir. Dina n'a pas crié au secours. C'était une expérience de plaisir pour elle. Donc, comme les gens vagabondent, voyons 1 Timothée 5, 1 Timothée 5, 13. Avec cela, étant oisif, elles apprennent à aller de maison en maison. Cela s'applique à Dina, cela s'applique aussi aux adolescents, cela s'applique aux personnes âgées, cela s'applique qu'ils n'ont pas de choses importantes à faire. Même à notre âge avancé, nous devons fixer des buts pour nous, des buts pour des objectifs pour la semaine, pour le mois, pour la mi-année, pour l'année. Donc, on travaille pour accomplir, pour atteindre ces objectifs, qu'on soit à la maison ou au bureau, où on dit que voici ce que j'achèverai à la fin de la semaine. Si tu es comme ça, tu vas te poser la question, oui, le devoir, la responsabilité de cette semaine, à quel niveau je suis. Donc, cela va éviter et l'errance et se lever de la maison et sortir errer aujourd'hui. On peut même errer
sur son téléphone, téléphone. On peut même vagabonder en surfant sur l'internet, aller par-ci, aller par-là. Il y a des gens qui errent jusqu'à découvrir un homme à marier sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui errent, ils sont amis, ils ne se sont jamais vus. Ils se sont rencontrés sur les réseaux sociaux. Les gens errent beaucoup aujourd'hui. Les mariés errent, les hommes vagabondent. Et puis, ils se plongent dans le problème. Il s'est dit ici qu'ils vont de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Comment cela peut se passer, verset 12, et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Elles violent leur premier engagement. Lorsque les gens rejettent leur premier amour, leur première conviction, leur premier caractère, donc ces gens peuvent errer. Vous voyez, parfois, les gens, vous ne savez pas comment ils ont ton numéro, et je vois que les gens vont envoyer des choses et vont dire seulement pour te saluer. Et puis ils vont parler. Et puis, et s'ils utilisent WhatsApp, ouais, vous pouvez voir leur WhatsApp. Et puis tu ne sais pas les gens. Et si tu réponds à ces gens-là, alors parce qu'ils sont en train de vagabonder, ils vont t'atteindre. Parce que tu es errant toi aussi. Si tu comprends comme. Ma vie est plus précieuse que ça, et mon ministère et la valeur de ma vie est plus précieuse que cela. Donc tu ne vas pas permettre à ceux qui vagabondent de derrière jusqu'à ton WhatsApp et que tu les acceptes. Non, tu vas tenir ferme, tu vas tenir ferme. Tu sais comment bloquer et un errant. Alors il faut bloquer ce numéro-là. Proverbe 21, Proverbe 21, 16, Proverbe 21, 16, l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse, c'est pas seulement Dina, une fille, mais l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Quand ton esprit est mort, ta conviction est morte, ta vision est morte, ton futur est mort parce que tu vagabondes. Et vous savez, comme vous utilisez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur, vous cherchez quelque chose de légitime et quelque chose va émerger, une autre chose va émerger. Si vous êtes errant, vous allez abandonner votre focalisation. Et vous allez cliquer sur ceci, cliquer sur cela, et puis cela va vous conduire quelque part. Alors, comprenez, toutes ces choses-là qui émergent là, et vous les cherchez, vous les fouillez, vous vous intéressez à cela. Et les gens qui gèrent les réseaux sociaux, ils savent toutes les choses que vous poursuivez, et les choses derrière lesquelles vous courez. Ils connaissent vos noms. Ils ont le rapport. S'ils vont vouloir se présenter, ils vont vous dire que voici celui que tu es. Tu t'appelles chrétien, un homme de sainteté, la femme de sainteté, mais voici ce que tu suis. Oui, au cours de ta navigation sur l'Internet. Alors, celui qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Ta conscience va mourir. Parce que comme tu fais cela chaque moment, tu n'as plus de normes, tu n'as plus de convictions. Ta conscience serait endoucie. Tu continues à faire les choses. Tu dis que oui, ma soeur ne sait pas, ma femme ne connaît rien de cela, mon mari ne connaît rien de cela. Mes voisins ne connaissent rien. Mais Dieu sait, il connaît tout. Les gens connaissent ce que tu fais. Les gens qui ont cette connaissance, cette intelligence artificielle, savent cela. Mais ta conscience serait morte.
Je prie que le Seigneur nous garde au nom de Jésus-Christ, que j'ai un bon amen. Et deuxième partie ici, c'est la séduction et la damnation des colériques. Voyons, Genèse 34, verset 7. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Verset 8. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Le verset 9. Alliez-vous avec nous. Nous ne demandons pas la main de Dina seule. Oui, Dina est le portail pour parvenir à vous. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Voilà le verset 13. Verset 13. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Si vous n'avez rien en vous, vous ne pouvez pas agir. Quelque chose qui se passe, si vous n'avez pas la colère en vous, oui, la colère ne va pas sortir. Si vous portez une bassine d'eau et quelqu'un vous pousse, si l'eau là éclabousse, c'est ce qui est dans la bassine qui va éclabousser. Si la séduction sort de toi, c'est parce que la séduction est en toi. Si la colère sort de toi, c'est parce que la colère est au-dedans de toi. Ce n'est pas l'action qui a initié la colère, mais l'action a révélé la séduction qui est au-dedans. Et que Sichem avait déshonoré, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Quelque chose s'est produit et de façon inattendue et un langage de colère, un vocabulaire de colère que vous ne croyez pas qu'ils connaissent sort de leur bouche. Ce n'est pas la colère qui fait sortir le vocabulaire. Le vocabulaire était là et la chose qui s'est produite a donné l'occasion au vocabulaire de sortir pour révéler ce que vous avez au-dedans de vous. Donc, la séduction, c'est leur nature, leur vie, leur caractère. Seulement, ce qui s'est produit maintenant a fait sortir cette séduction. Il leur dit, voyez le verset 14, il leur dit, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Verset 15. Nous ne consentirons à votre désir. Et cela ne s'est pas présenté à leur visage. Il y a des détecteurs de mensonges que le gouvernement utilise. Lorsque quelqu'un ment, le détecteur de mensonges va savoir que ça, c'est un mensonge. Nous qui ne travaillons pas avec le gouvernement, on ne voit pas, on n'a pas aucun instrument de telle manière, de cette manière, dont on peut dire parfois avec le regard, seulement avec l'embarras dans la personne, parfois avec les actes de la personne. Alors, parfois, on peut le dire, si vous connaissez la personne,
si ceci arrive, voici ce que la personne dit. S'il y a quelque chose, voici comment la personne agit. Vous pouvez dire que ça, c'est un mensonge. Mais Sichem et Hamor ne voyaient pas que ceci était un mensonge. Et lorsque Dieu nous abandonne, alors il nous donne un esprit d'égarement pour croire au mensonge. Si vous êtes ministre et les gens vous mentent et vous ne savez pas que c'est un mensonge et vous font courir sur la base du mensonge, alors il y a une illusion pour qu'ils croient au mensonge et soient damnés. Parce qu'ils sont dans une illusion. Vous devez prendre soin de votre vie afin de ne pas prendre une décision dans le ministère, une décision dans votre vie, une décision qui sera une grande conséquence parce que vous êtes dans une forte illusion parce que les gens agissent avec le mensonge, ils vous disent des mensonges, ils vous racontent des histoires pour faire croire aux mensonges. Puisse le Seigneur nous en délivrer au nom de Jésus-Christ. Et c'est dit, nous consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mal parmi vous soit circoncis. Simon et Lévi ont utilisé la circoncision, ce qui est sacré pour détruire les gens. Les gens prennent la doctrine sacrée, combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Ils n'ont pas de conscience. Ils prennent cette foi sacrée et cet élément sacré, céleste pour blaguer, pour jouer, pour plaisanter, pour mentir, pour séduire des gens, pour dramatiser, même en voyageant vers l'immoralité. Ces gens aussi ont pris l'alliance sacrée du Seigneur et ils ont dit, mais vous savez, si vous êtes circoncis comme nous, donc nous allons nous allier avec vous. Voilà le verset 16 qui dit, nous vous donnerons alors nos filles. Il y a des gens qui parlent avec confiance et savent qu'ils mentent. Il y a des gens qui parlent avec persuasion et savent bien qu'ils mentent. Il y a des gens qui ont des pensées meurtrières, des projets, des programmes meurtriers dans leur cœur pour blesser leurs frères, pour faire du mal à leurs sœurs, pour faire du mal à leurs voisins. Et avec persuasion, ils parlent. Il y a des gens qui tendent des pièges pour des pièges à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs voisins. Et ils vont tomber dans le piège là. Ils vont perdre leur vie spirituellement. Ils vont perdre leur conviction. Et ces gens-là, et ils vont devenir très amicaux avec vous. Que tu sais, on va faire cela à condition que tu fasses ceci et cela. Et ils vont faire le suivi, ils vont l'accompagner d'un sourire. Et tu es pris, et tu es pris. Et si tu es dans une forte illusion, tu seras pris. Et il dit que nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. 17, mais si vous ne voulez pas nous écouter, alors nous vous disons des mensonges. Mais si vous n'allez pas accepter ce mensonge, donc il ne faut pas espérer une communion entre nous. Y a-t-il des gens comme ça? Ils vont vous mentir. Alors vous voyez que c'est un mensonge. Et ils te regardent que c'est comme celui-ci reconnaît que c'est un mensonge. Mais si tu n'acceptes pas ça, que tu vas perdre cette opportunité. Et puis tu t'oublies. Parce que tu cherches ceci, tu cherches cette opportunité et tu cherches à réaliser ceci. Maintenant, tu embrasses le mensonge. Dieu va nous en délivrer. C'est le monde dans lequel nous vivons. C'est la communauté religieuse dans laquelle nous vivons. Mais si vous ne voulez pas nous écouter,
et vous faire circoncire. Nous prendrons notre fille et nous nous en irons. Et Sikem et Hamor ne pouvaient pas imaginer Dina être emportée de leur maison. Mais, ils vont encore prendre Dina. Après que tu auras perdu ta vie, après que tu auras perdu ta conviction et tout ce que tu avais bâti jusqu'à ce temps-ci, ils vont toujours emporter leur Dina. Ils ne te font pas la promesse parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils voudraient être bénéfiques à vous. Mais vous allez toujours perdre la Dina là. Ils ont dit que mais, si tu n'acceptes pas le mensonge, si tu n'embrasses pas le mensonge, si tu ne succombes pas, alors nous allons emporter Dina et puis nous en irons. Ce qui s'est passé, c'est déjà passé. Si tu dois prendre Dina, nous allons le sentir parce que déjà, ils ont eu une association intime avec Dina. Mais il y a quelque chose que vous devez apprendre en tant que chrétien, en tant que croyant. Vous devez apprendre comment perdre quelque chose heureusement, joyeusement. Et tu dis, cela s'en va. Tu ne sais pas si cela a sauvé ma vie. Cela est ôté de moi. C'est bon. Je ne sais pas. Dieu l'a permis. Oh ben, peut-être cela a préservé ma vie. Peut-être la chose là que j'ai gardée au prix qu'il me donne à payer, si je fais cela, peut-être je perdrai ma vie, peut-être je perdrai le ciel, peut-être je perdrai ma conviction, peut-être je perdrai tout. Si Dina est la seule chose que je perds maintenant, que Dieu m'aide à supporter la perte, que c'est une grande prière. Verset 25 dit, le troisième jour, pendant qu'il était souffrant, et c'est-à-dire il souffre de la plaie, de la douleur, de la circoncision, pendant qu'il était souffrant, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville. Attendez, Siméon, ils sont des gens innocents. Les gens-là ne savaient rien. Ils ne savaient pas quand Sikem faisait des avances à Dina. Si votre colère est contre Sikem, qui a déshonoré Dina, alors pourquoi exprimer votre colère sur toute la ville? C'est difficile de vivre avec colère. C'est difficile de confiner la colère dans notre vie. Dès que tu permets à la colère de prendre effet à un point donné, dans une action donnée, cela ôte notre faculté de bien penser. On ne peut pas penser que ce sont des gens innocents. Celui qui a la querelle avec vous, c'est Sikem. Même le père, Hamor. On n'a pas dit que Sikem a demandé à son père qu'il voudrait déshonorer Dina. Mais ils ont tué tout le monde dans la ville. Ils ont tué Sikem. Ils ont tué Hamor. Dans notre vie, le mari est mécontent. Il est mécontent contre la femme. Entre les deux, la femme, je suis content de ceci, je suis mécontent contre ceci. Alors ils vont démontrer la colère contre les enfants. Je ne veux pas payer votre scolarité. Je ne veux pas vous écouter. Alors, ils vont démontrer la colère contre. Ils vont diriger la colère contre la belle famille. Leur colère contre Sikem maintenant doit être manifestée contre tout le monde. Même, ils dirigent la colère contre eux-mêmes. Ils ne pensent pas à leur futur. Ils ne pensent pas
à leur témoignage, ils ne pensent pas à la valeur de leur vie et à leur vocation. Et tout a gâché, tout était gâché dans leurs mains. Je prie que Dieu nous en délivre. Voilà le verset 25. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, est-ce que vous étiez comme ça auparavant, à l'école, et deux nouveaux amis, un ami plus fort que l'autre, dans notre école, à l'école, au collège, et puis, lorsque je peux voir le visage de celui-là, je me rappelle le nom, lorsque l'autre là était malade, le plus fort, l'autre là, qui professe être ami, il commence à maltraiter celui qui est malade. Il lui donne le coup de poing, il le pousse, parce qu'il savait que maintenant il est faible à cause de la maladie. Mais les deux n'étaient pas nés de nouveau. Mais ils étaient assez mauvais. Ceux qui sont nés de nouveau, c'est ce qu'ils disent quand ils voient que l'autre là est dans la détresse, l'autre là est malade, l'autre là est faible, que voici l'occasion, il était fort, maintenant il est faible, il est malade. Voici l'heure maintenant d'augmenter sa détresse. Lorsque la personne est malade, c'est le temps de tomber sur la personne et lui faire du mal. Où est l'amour de Dieu en toi? Et puis, c'est dit que tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Verset 26, ils passaient aussi au fil de l'épée à mort et Sichem, son fils. Ont-ils pensé à la vie après la mort? Ont-ils pensé à ce qu'ils vont faire? La conséquence sur eux-mêmes, un seul Sichem, un pauvre Hamor et pauvre membre de cette ville-là, avait-il pensé que le fait de les tuer, c'est de les envoyer à une éternité de perdition? Es-tu si fâché contre quelqu'un que tu vas faire quelque chose pour l'éliminer, pour l'envoyer à l'éternité sans être prêt? Qu'est-ce que la personne a fait? Qu'est-ce qu'a-t-elle fait? Que cela lui mérite d'aller en enfer 100 ans, 1000 ans, 1 million d'années, 1 trillion d'années pour toujours et à l'infini. Et si nous pensons aux conséquences de nos actes, nous n'allons pas évangéliser avec des paroles de bouche et envoyer les gens en enfer pour toujours. Parce que tu te fâches. Au fait, tu n'as pas le droit de se fâcher. Tu as fait quelque chose de plus grand que cela dans le passé et Dieu t'a pardonné. Ne dois-tu pas avoir compassion de ton frère, de ton voisin, comme j'ai eu compassion de toi? Alors, veillons que nos actes ne soient pas de la séduction qui doit conduire à la damnation à cause de l'amertume et de la colère. Voyons, troisième partie ici, c'est la dénonciation et la destinée d'une obstination assertive. Ouais, les gens obstinés sont des gens têtus, ils ne pensent pas à leurs paroles, ils ne pensent pas ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont à faire, et ne pensent pas à leur projet. Et l'obstination fait de quelqu'un celui qui a le caractère, rebelle, d'oublier les conséquences. C'est pourquoi un fils peut s'adresser à n'importe comment à son papa, parce que l'obstination lui fait oublier. Jeune homme, c'est papa, hein. C'est pourquoi une fille va aborder sa maman
de façon rude, impolie et de façon impensable. Fille, c'est maman, hein? C'est ta mère. C'est pourquoi une personne plus jeune va s'oublier que la personne âgée a contribué à sa vie et à son choix. Jeune homme, ne permets pas à la rébellion, à l'obstination de te faire oublier que tu ne peux pas vivre tout seul. Tu as besoin de lui, tu as besoin d'elle. Donc, si tu es prévenant, oui, l'obstination ne sera pas là. Genèse 49 et verset 6. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Verset 7. Maudit soit leur colère, car elle est violente. Elle est insensée. Elle est impétueuse. Elle est meurtrière. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob. Et je les disperserai dans Israël. Leurs actes ont éliminé la vie des gens là dans la ville et leurs actes ont détruit la portraiture des gens là. Les gens qui ont été mis au monde, les gens qui seraient mis au monde ont été détruits, les familles détruites, les rois et les grandes personnalités ont été détruites à cause de leurs actes. Regardez maintenant. Cette Dina qu'on essaie de protéger là, quel est le caractère de Dina? Quel est le futur de Dina? Comment Dina elle-même s'était mariée après tout? Que pouvons-nous lire? Y a-t-il de bonnes choses à lire sur le progrès de Dina? Regardez la personne qu'il protégeait. Pas de futur pour elle. Cependant, eux-mêmes ont ruiné. Ils ont détruit leur futur à cause de cette Dina. Allons au troisième point maintenant. Troisième point maintenant. Nous allons voir. Le bonheur de l'attitude de non-vengeance. C'est le deuxième point là-bas. Premier point, le mariage avec les réprouvés interdit par Dieu. 2. La vengeance malicieuse et les représailles retrouvées parmi les impies. 3. La rédemption de miséricorde et la réconciliation fondée sur la grâce. 1er sous-thème, sous 2e point. Le mariage avec les réprouvés interdits par Dieu. Voyons. Deutéronome 7, verset 1. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Éthiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Voyons le verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Même s'ils vont accepter de se faire circoncire, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Même s'ils ont dit qu'ils vont vous suivre, aller à l'église, nous allons changer nos habits, nous allons chanter vos chansons. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes fils à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils.
Voyons 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Nous devons tout faire que nos fils et nos filles réellement sont nés de nouveau, qu'ils sont justes, parce que ils sont nos filles ne veut pas dire qu'elles sont nées de nouveau, qu'elles s'habillent comme nous ne veut pas dire qu'elles sont nées de nouveau. Il faut qu'il y ait cette conviction qu'elles se sont repenties de leur péché. Elles croient au Seigneur Jésus-Christ et par conviction et non à cause de papa, à cause de maman, pas à cause des gens qui disent que oui, je suis maman et papa pour aller à l'église. Lorsque je serai à mon âge, je serai à mesure de prendre ma décision, je ne vais pas les suivre. Non, non, nous parlons de celui qui est celui ou celle qui est réellement né de nouveau, qui n'a pas de haine, qui n'a pas d'attachement, qui n'a pas de communion, qui n'a pas de cordialité avec les injustes. Oh, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelque part a le fidèle avec l'infidèle? Verset 16 dit, quel rapport? Rapport en mariage, quel rapport? Rapport en communion, quel rapport? Rapport en conviction, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. 17 dit, c'est pourquoi sortir du milieu d'eux. Ce n'est pas au moment qu'ils disent que, papa, je vais te dire quelque chose. Je ne savais pas que je vais te dire, maman, voici, ceci va briser ton cœur. Mais c'est moi-même, je ne veux plus prétendre. J'ai un incroyant à prendre comme mari aux femmes. C'est trop tard. Il faut veiller sur eux. Il faut prier pour eux. Il faut les instruire dans la voie où ils doivent aller. Et il faut tout faire qu'il ait ou qu'elle ait la conviction à cause de papa ou de maman. Dieu a dit que je ne dois pas me mettre sous un joug étranger avec les incroyants. Il a dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Deuxième partie ici, la vengeance malicieuse et les représailles retrouvées parmi les impies. La vengeance malicieuse et les représailles retrouvées parmi les impies. 1 Jean chapitre 3, le verset 12 qui dit, et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin. Caïn et Abel étaient frères. Caïn a fait son sacrifice que Dieu n'a pas approuvé. Abel a offert son sacrifice et Dieu a approuvé son sacrifice. Et puis, Abel n'a rien soupçonné. Et les gens qui s'énervent et que vous pouvez le voir au visage et vous pouvez fuir d'eux à cause du danger de la colère à ce temps-là. Alors, ils n'ont pas pratiqué la colère, la vengeance, les représailles jusqu'au point où ils avoient la mauvaise chose, mais en souriant. Mais les gens qui ont perfectionné la voie de la colère, l'animosité, la méchanceté, la haine, vous n'allez même pas voir. Abel ne pouvait pas voir ça. Ils étaient ensemble et ils parlaient ensemble. Et Caïn a si géré sa colère, il a caché que Abel n'avait rien soupçonné. Alors soyons prudents dans notre vie. Parce que si nous maîtrisons notre colère,
et nous sommes en mesure de la dissimuler. La même, le même effort et la même formation que tu t'es donné pour former, pour maîtriser cette colère, tu es devenu dangereux. Pourquoi ne pas utiliser ces mêmes efforts pour te maîtriser, pour dire que ceci est mauvais dans ma vie, ceci est mauvais dans ma vie, et tu gères cela, tu vas vers Dieu, et le Seigneur te donne la victoire. Et puis ta vie devient franche, ouverte, claire, transparente. Et si tu y a quelque chose, tu appelles la personne, mon frère, je ne suis pas content de toi. La personne dit que tu te fâches. Dit que oui, je me fâche. Je me fâche contre ton acte, pas contre toi. Sinon, si je me suis fâché, je ne t'aurais pas dit ça. Si je te laisse faire ce que tu fais là, sans te parler, tu périras. Parce que ta vie ne va pas avec, l'attente du Seigneur. Je me fâche contre ton acte. Et puis, il est en mesure de régler cela. Elle est en mesure de régler cela au lieu de que je ne vais pas leur permettre de voir que je me fâche. Mais oh, la chose est au-dedans de toi. Tu vas faire le mal. La chose qui est dans le cœur, comme un lion, va sortir et pour détruire. C'est pourquoi il dit à ne pas ressembler à Caïn qui était du mal et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Allons à la troisième partie ici, la rédemption de miséricorde et la réconciliation fondée sur la grâce. Il nous faut la grâce de Dieu. Et c'est la grâce de Dieu qui nous rend compatissants. C'est la conviction que nous avons en Christ qui nous rend aimables, authentiquement aimables, authentiquement cordiaux. Et nous allons vouloir nous réconcilier au lieu de dire ceci et c'est passé. Et puis la mort doit en être le résultat. Simeon, Lévi, voici ce qui s'est passé. Il faut deux pour avoir cette relation. Et la sœur que vous défendez, elle est toujours là-bas. Elle jugeait de ce qu'elle fait. Pourquoi tuer une partie de l'accord et l'autre partie, vous laissez cela? Qu'est-ce que vous dites à Dina? Vous dites à Dina que va aussi loin que tu le veux. Va aussi haut que tu le veux. Va aussi profond que tu le veux. Nous savons que c'est mauvais. Nous n'allons rien te faire. Nous allons te supporter. Mais nous allons traiter, nous allons tuer le partenaire du mal. Soyez prudent. Pourquoi vous êtes partial? Pourquoi tu es si partial? Tu es si partial et on a attrapé c'est en flagrant délit d'adultère. Moïse a dit de la frapper. Mais où est l'homme? Vous avez seulement pris la femme. Où est l'homme? Nous devons avoir la miséricorde au travers de la rédemption du Seigneur et la réconciliation fondée sur la grâce de Dieu. Et c'est dit aux Hébreux, Hébreux chapitre 4, et le verset 16 qui dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Lorsque quelque chose se passe et vous êtes blessé, faut pas d'emblée courir vers la personne qui vous a blessé. Quelque chose s'est passé, quelque chose se passe et vous vous êtes très blessé. Ne soyez pas aussitôt impétueux pour aller vers la personne qui fait bouillir votre cœur. Mais allez dans votre chambre et allez au trône de la grâce que vous obteniez d'abord la miséricorde de Dieu vous-même. Seigneur, si mon cœur est comme ton cœur, si mon cœur était comme ton cœur, je ne serais pas brûlé, bouillonné au-dedans de moi comme ça. Va dans ta cachette et aborde Dieu avec sa miséricorde.
et obtient la grâce pour obtenir en temps de besoin. Prie pour toi d'abord. Seigneur, tu peux venir à tout moment. Et ceci qui bouillonne dans mon cœur et qui me suggère de faire ceci et cela, comment je dois aborder l'affaire-là avec une vengeance de colère. J'ai besoin de ton secours. Et la grâce de Dieu te sera accordée. Et puis après, tu vas prier pour la personne. Tu es dans la prière. Tu vas prier pour la personne qui te donne, qui te met dans l'eau bouillante, qui te donne le cœur vraiment chaud. Seigneur, si il doit venir en moi, et si elle doit venir en moi, penser avec mon cerveau, voir de mes yeux, se sentir comme je me sens, elle n'aurait pas fait ceci. S'il devait venir en moi et se sentir et voir et penser tel que je pense, lui-là n'aurait pas dit cela. Donc, Seigneur, aie pitié de lui, aie pitié d'elle. Donne-lui la sagesse. Donne-lui un changement de cœur, un changement d'esprit. Donne-lui un changement de pensée, un changement de personnalité. S'il voit ce que je vois, si elle savait que, si elle connaissait les Écritures que je connais, elle n'aurait pas fait cela. Donne-lui la grâce de voir ce qu'elle n'a pas vu. Après avoir prié pour toi-même, tu es en état maintenant, tu pries pour lui, tu pries pour elle, et puis elle est en état avant que tu ne sortes. Et lorsque tu sors, tu le vois, tu la vois différemment, avec une compréhension distincte à cause de la prière que tu as faite pour la grâce de Dieu en toi et en elle. Alors, vous serez en mesure de traiter le cas par la grâce, par amour, avec la rédemption et avec la réconciliation. Que Dieu nous aide. Jude 20, pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Après avoir prié, alors il faut qu'on pense dans le Saint-Esprit, il faut agir par le Saint-Esprit. Et 21 dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Il faut tracer un cercle. Et alors, mettez l'image de l'amour de Dieu dans le cercle-là. Et restez dans le cercle-là. Tout ce que je dirai, tout ce que je ferai, quelle que soit ma manière d'agir, je me garde dans le cercle de l'amour de Dieu. Aucune parole ne sortira de ma bouche, aucun acte, aucune expression faciale, à moins que je ne me tienne dans le cercle de l'amour de Dieu. Nous allons au troisième point maintenant, les vrais croyants avec les armes de la justice. Nous allons voir trois sous-thèmes ici. Un, l'insouciance dans la voie de l'anarchie. Numéro 2, la révélation durant la période de la loi. 3, notre justice en tant que participant de son amour. 2, et première partie sur troisième point, l'insouciance dans la voie de l'anarchie. Amenez-vous au trône de grâce si vous êtes sauvé, né de nouveau, si vous êtes sanctifié, si vous êtes enfant de Dieu. Faut pas être anarchique. Amenez-vous sous le contrôle du Seigneur. Parce que les gens anarchiques, les gens désordonnés sont des gens insouciants. Mais ils agissent avec imprudence. Ils parlent avec témérité. Ils abordent la vie avec témérité, avec imprudence. Ils conduisent la voiture de leur vie avec imprudence. Mais les gens imprudents, insouciants, se blessent. Ils sont insouciants contre
leur voisin insouciant, contre leur mari, contre leur épouse imprudent, contre leurs enfants, et ils s'en fichent du sentiment des autres, ils s'en fichent de ce qui se passe à Sichem, à la ville, ils sont très téméraires. Ces gens téméraires, imprudents, ne sont pas favorisés par le ciel. Les gens insouciants, alors marchent dans la voie de l'anarchie. Voyons Genèse 34, verset 30. Alors Jacob dit à Simon et à Lévi, vous me troublez, vous aimez votre papa, votre père, vous lui donnez le trauma. Alors Jacob dit à Simon et à Lévi, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. Simon, Lévi, c'est ce que vous avez fait? Dieu a donné la promesse à Abraham. Et puis, cela est transféré à Isaac, la bénédiction d'Abraham, le pays, les enfants, et seront comme le sable de la mer, comme les étoiles de la terre, tout cela m'est transféré. Mais si je vais avoir l'accomplissement de toutes ces bénédictions et que finalement la postérité doit passer par moi, le Christ, je dois rester vivant. Mais maintenant, Simeon, vous me troublez. Vous m'avez blessé, vous m'avez dérangé. Et vous êtes sur le point d'éteindre ma vie. Voilà le verset 31. Vous comprenez? Non? Ils étaient charnels, ils ont dit. Il répondit, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Simeon? Lévi? Oui, j'ai entendu votre question. Mais vous, devez-vous, dans votre colère, exterminer toute la ville? Vous avez votre question? J'ai aussi ma question. Deviez-vous séduire ces gens-là à se faire circoncis et après les massacrer? Vous avez votre question? Ma question. Traiteront-on notre sœur comme une prostituée? Traiterez-vous, devez-vous tuer Sichem et Hamor? Devez-vous faire ça? Comme vous, doigtez ce qu'ils ont fait. Le reste des joies se dirige vers vous. Devez-vous conduire les gens vers l'éternité à cause d'une seule personne et ne sont pas prêts à aller en affaire, ils vont en affaire. Devez-vous avoir le dernier mot dans leur vie pour les faire périr? Regardez ce qu'ils ont fait. Imprudents, insouciants parce qu'ils étaient anarchiques. 2. La révélation durant la période de la loi. Lévitique 19, verset 17. Tu ne railleras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain. Mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Ouais. Dis-lui, ce que tu as fait n'est pas bon. Et si tu vas te marier, tu vas marier quelqu'un, mais ce n'est pas comment il faut faire. Alors, ce qui s'est passé, ramenons, il faut prendre Dina, il faut l'amener à la maison. Ce qui s'est passé ne va pas se produire. Et on va parler à papa et maman. Ce que vous avez fait, c'est mauvais. Alors, il faut que la chose soit claire. Il ne faut pas séduire. Il ne faut pas utiliser l'hypocrisie. Cela n'est pas de Dieu. C'est-à-dire que tu ne railleras point ton frère dans ton cœur.
tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Verset 18. Tu ne te vengeras point. Tu ne te vengeras point. Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Voyons la troisième partie, troisième session ici, notre justice en tant que participant de son amour. Romains chapitre 12. Romains 12, 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Dans la famille, les choses se produisent, deux personnes qui vivent ensemble. On vient de différentes familles, on a différentes manières de penser. Tu es né de nouveau, sauvé, sanctifié, mais tu as ta personnalité. À cause de cela, des offenses pourraient surgir. Les choses que vous n'appréciez pas pourraient advenir. Et dans l'église, frères et sœurs, sauvés, nés de nouveau, ministres, pasteurs, ouvriers chrétiens, mais nous venons d'une famille différente. Nous avons des niveaux de compréhension. Certains un peu profond, certains profond et élevé. Et on vit ensemble et on est membre de la même famille de Dieu. Les choses peuvent se produire. Je n'apprécie pas cela, dis-lui. Je n'accepte pas cela, dis-lui. Pas de rancune. Faut pas aller le poignarder au dos. Faut pas embrasser le style de vie de Simon de Lévi pour faire usage des instruments de cruauté pour les poignarder au visage et au dos en tuant leur joie, en tuant leur vision, en tuant leur progrès et en tuant leur ministère. Sans se soucier de leur découragement. Si cela le décourage, ouais, bien pour lui, tant pis. S'il ne peut pas se lever, manger, marcher, courir, tant pis. Moi, je me fâche, je vais lui montrer ça. Pourquoi vas-tu faire ça? Ne sommes-nous pas frères? Est-ce que la mission, le ministère ne sont-ils pas de Christ? Et si le frère, la sœur est dans le ministère de Christ, es-tu si méchant que de tuer le ministère, la mission de Christ ton sauveur à cause de lui? Alors il faut être plus prévenant et plus aimable de venir à la grâce du Nouveau Testament. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, ne permettez pas à la vengeance de commencer par vous. Ne permettez pas aux représailles de commencer par vous. Ne commencez pas à la lutte, à la querelle de commencer par vous. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, ce que vous allez faire, vous allez chercher là où vous pouvez mettre votre confiance en Dieu et croire au Seigneur et ne permettez pas à rien du mal de commencer, de provenir de vous. Et ce que le Seigneur nous dit, il nous a dit, pour que nous puissions vivre tel qu'il le veut et ne vous vengez et
s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. En tant qu'enfant de Dieu, toi qui as la grâce de Dieu, toi en tant qu'enfant de Dieu, ayant le salut dont tu parles, toi en tant qu'enfant de Dieu, ayant la mission, la commission, et tu veux accomplir cette commission, cette ambition, et tu veux que tout le monde accomplisse cette commission, il veut que de ne récompenser personne, de ne récompenser le mal pour le mal. Ouais. Ce que quelqu'un fait que tu n'apprécies pas, que tu n'acceptes pas, c'est le mal. Si lui t'a fait ça et toi tu n'apprécies pas ça, et lui aussi n'appréciera pas ça si tu fais cela, décide que ta vie soit une vie de grâce. Donne-moi un bon amen. Que ta vie soit une vie d'amour. Que ta vie soit une vie de compassion, en considérant la joie, le bonheur de tout le monde autour de toi. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix. Tu vas agir, tu vas tout faire avec la paix. Parce que la paix de Dieu règne en toi et le Dieu de paix règne et contrôle ta vie. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, alors vous allez vivre en paix avec tous les hommes. Et le verset 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, pour ne pas vous venger. Alors, il faut ôter cela de votre vie, il faut l'ôter de votre comportement, que votre vie soit comme la vie de Christ et toutes les choses qu'on lui a faites, il ne s'est pas vengé, alors c'est dit que si nous sommes bien-aimés, si nous sommes enfants de Dieu, si nous avons la grâce de Dieu, si nous sommes de véritables enfants de Dieu, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. La colère vient, alors faut pas rester là-bas. Laissez agir la colère. Cédez la place à la colère. Cédez la place à la colère. Que cela ne te parvienne pas et que cela ne t'influence, que cela n'influence pas ton style de vie. Que chaque jour, si cela s'est passé hier, comme cela se passe aujourd'hui, tu dis, Seigneur, ta grâce me suffit. Amen. Ta miséricorde me suffit. Amen. Ta rédemption me suffit. Amen. Et puis, tu ne vas pas permettre à la colère dans ta vie. Mais laissez agir la colère car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Laissez-le dans la main de Dieu et le Seigneur fera ce qu'il fera. Quelqu'un l'a crié, amen. Quelle est la conclusion? Verset 20. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Quelqu'un l'a crié, amen. La grâce de Dieu va reproduire la bonté de Dieu dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Le mal dans le monde, les actions du monde, la colère du monde ne changera pas notre conviction. La conviction d'amour, la conviction de grâce, la conviction de vivre sans colère et de vivre uniquement par la grâce de Dieu. Et je prie que cette grâce du salut, cette grâce de la sanctification,
cette grâce de l'attitude de Christ et du comportement de Christ se multiplie dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout maintenant et amenons tout ce que nous avons appris au Seigneur dans la prière. Le Seigneur nous a parlé ce jour et nous a assuré que nous ne devons pas avoir cette vieille nature de colère, l'ancienne nature de vengeance, la vieille nature de représailles dans la famille. Mari et femme, les parents et les enfants, au bureau, les ouvriers, les fonctionnaires, dans notre communauté, nous vivons par l'amour de Dieu et par l'affection qui provient du ciel. Examinez-vous, examinez votre vie. La vieille nature est-elle là? L'ancienne dépravation est-elle là? La vieille colère est-elle là? La vieille vengeance est-elle là? Est-ce que cela s'augmente en sorte que tu détruises un homme, une famille, les voisins, les amis, les gens de la communauté à cause de la colère? Examine-toi. Règle ça avec le Seigneur. Et il ne faut pas penser aux gens d'abord, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font. Leur mauvaise action, pense à toi-même. Seigneur, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'utilise la séduction? Pourquoi je prétends? Pourquoi je rends les gens à l'aise pendant que je planifie d'autres choses, quelque chose d'impensable contre eux? Règle cela. On ne peut pas aller au ciel avec ce type de cœur. Le cœur de vengeance, on ne peut pas aller au ciel avec cela. Le cœur de représailles, on ne peut pas aller au ciel avec ce type de cœur. Parle au Seigneur. Est-ce que tu es transparent et aimable à ton mari? Avec transparence, es-tu aimable envers ta femme? Est-ce que avec transparence, tu aimes les frères et les sœurs? Et tu agis par la grâce, tu agis par amour, par miséricorde, tu agis avec amabilité et avec amitié. Pensez-y, amenez cela au Seigneur dans la prière. Seigneur, circoncis mon cœur. Siméon et Lévi, ils étaient circoncis de chair et non circoncis de cœur. Et il appelait les autres d'être circoncis. Parlez au Seigneur. Que votre vie soit celle qui est soumise, abandonnée, à donner au Seigneur. Faites votre choix. Allez-vous vivre dans l'amertume ou dans la bénédiction? Il y a le danger de la sueur pour ceux qui vagabondent comme Dina. Est-ce que vous vagabondez, vous errez sur les réseaux sociaux? Il y a des choses que vous suivez, que vous naviguez sur l'Internet. Est-ce que vous errez? Vous n'avez pas assez à faire pour garder votre intérêt à la maison. Parlez au Seigneur que cette habitude
l'habitude des errants. Que le Seigneur enlève l'écrase de ta vie. La vie de séduction. En parole. En convaincant les autres à faire quelque chose. Et qui te fait quelque chose que tu fais pour les conduire à la destruction de leur vie. La séduction sera aussi condamnée. Le Seigneur condamne cet acte, dénonce cet acte qui va ruiner la vie des gens ici sur terre, où ça va mettre l'éternité des gens en danger et puis affecter l'éternité des gens de façon négative. Et vous n'y pensez jamais, vous n'avez pas la pensée de Christ. Christ est mort pour les gens parce qu'ils ont fait quelque chose contre vous. Vous aimeriez mieux qu'il meure, qu'il aille en enfer. Votre pensée est différente de celle de Christ. Pourquoi ne pas dire, Seigneur, donne-moi les sentiments de Christ, l'esprit de Christ. La parole de Dieu interdit que la vengeance et les représailles soient effectuées sur la vie des gens. La destruction des vies est interdite. S'ils font quelque chose que tu n'apprécies pas, dites-leur, as-tu peur d'eux? Alors, il faut les confronter pour leur dire ça. Ceci n'est pas bon. Faut oublier les conséquences. C'est mieux que de les tuer. Prie pour eux, prie pour toi-même. Que la grâce de Dieu vienne dans ton cœur. Et vis au centre de l'amour de Dieu. Les vrais croyants. Avec les âmes de la justice. Les gens anarchiques sont insouciants. Ils ne démontrent pas l'évidence du salut. Ils sont imprudents, obstinés dans leur conduite. Ils sont téméraires dans leurs actes. Ils sont insouciants dans leur séduction. Parce qu'ils sont anarchiques. Pourquoi ne pas prier, Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, l'insouciance et l'anarchie ne doivent pas faire partie de ma vie. Ça ne doit plus faire partie de ma vie. Pas de vengeance, pas de représailles. Pur, sincère, transparent, avec l'amour de Dieu. La vraie justice. En tant que participant de l'amour du calvaire. Au nom de Jésus, nous prions. Et que le peuple de Dieu dise, Père, nous te remercions pour la révélation de ta parole, nous te remercions pour la vérité, nous te disons merci pour l'amour de Dieu, qui est répandu dans le cœur de chaque véritable croyant. Nous prions, Seigneur, que tous les actes de vengeance, de colère, d'animosité, d'amertume, de représailles dans le passé soient effacés de tout cœur, de toute vie, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à être conscients du ciel à tout moment. Conscients que Christ peut venir à tout moment, et que le meilleur endroit, la meilleure position, le meilleur lieu, ce n'est pas la colère, ce n'est pas
la violence, ce n'est pas la haine, ce ne sont pas les représailles ou les querelles. Seigneur, aide-nous à être conscients que puisque tu peux venir à tout moment, que ta grâce remplisse notre cœur à tout moment au nom de Jésus-Christ. Et lorsque nous nous voyons blessés, quelque chose est arrivé à notre Dina, quelque chose est arrivé à notre fille, quelque chose est arrivé à notre fils, quelque chose est arrivé à notre femme ou à notre mari, Seigneur, aide-nous à nous arrêter d'abord, à ne pas nous empresser d'agir, mais d'avoir d'abord ton amour dans notre cœur, ton affection en nous, et que la grâce de Dieu remplisse notre cœur au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à avoir la sincérité, l'honnêteté et la hardiesse, le courage d'aborder celui qui a fait le mal et lui dit, je viens à toi au nom du Seigneur. Ceci n'est pas bon. Et pour régler cela face à face, comme un soldat courageux de la croix au nom de Jésus-Christ, Seigneur, remplis notre cœur encore de ton amour, remplis notre cœur de ton affection et donne-nous le courage, la hardiesse de parcourir la vie avec la paix de Dieu, avec l'amour de Dieu, avec la conviction de Christ au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à porter les autres à la lumière, à la vie éternelle, et aide-nous à aider les gens afin de les conduire au ciel et non en enfer au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait la paix dans chaque cœur, la joie du Seigneur dans chaque cœur et la dépendance de ton amour, de ta grâce sur chaque vie au nom de Jésus-Christ. Essuie le passé. Donne-nous une nouvelle vie et conduis-nous à la nouvelle étape de vivre comme tel que Christ le veut pour nous. Merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions.